Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, nous sommes en direct aujourd'hui. Nous allons parler sur tout ce qui a trait, tout ce qui ont attrait Nakati à Mbokanabiso, tout ce qui est l'actualité politique, l'actualité sécuritaire dans nos frontières et dans nos territoires. Aujourd'hui, il est question de la sécurité de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il de la force régionale de l'EAC? Qu'en est-il de la force régionale de la SADC? Aujourd'hui, l'armée rwandaise est restructurée. Pour quelle raison? Pour quel but? Parce que nous voyons que notre pays est en train de subir aujourd'hui les atrocités, les agressions dans la partie est de la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler avec M. Gaston, qui est notre invité à partir du diaspora. Avec lui, nous allons essayer de parler de toute l'actualité qui se passe du niveau sécuritaire, du niveau politique et ainsi dans notre pays, République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous en direct et en duplex Monsieur Gaston qui est avec nous déjà ensemble en direct. Nous allons partager l'actualité et analyser tout ce qui est l'actualité et l'information politique en dehors et à l'intérieur de nos frontières. Monsieur Gaston, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je pense qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire de notre pays est en train de préoccuper tous les Congolais qui sont peut-être dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo sont contraints de la situation sécuritaire qui se passe en dehors ou bien à l'interne de nos frontières. Vous êtes aujourd'hui notre invité pour parler de la situation sécuritaire qui se passe à l'interne de nos frontières. Aujourd'hui, la force régionale de l'EAC croise les bras quant à la situation sécuritaire. Nous voyons la coalition RDF et M23 juste pour avoir l'honneur là d'attaquer et de récupérer la partie de Goma et annexer la partie d'est de la RDC du côté du Rwanda. Tout ceci vous interpelle quoi, monsieur Gaston? Il y a un plan de ces criminels de Kigali, de Kagame et sa clique, qui consiste à chercher à rester au pouvoir parce que, vous savez, sans le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, ce pouvoir de Kagame ne resterait même pas un jour. Donc, pour garder la main sur la richesse du Congo, ils sont obligés de faire ce que moi j'appelle une mission suicidaire, puis essayer d'attaquer le Congo. Comme vous le savez, Kagame avait pris des dettes et des engagements envers les puissants de son monde. Je peux donner un exemple des dettes qu'il avait prises avec le Qatar. Il avait avancé l'idée que comme l'or, le diamant, le coltan étaient bien traités au Rwanda, donc, il pouvait fournir ses matières premières, cet or, diamant et j'en passe, au Qatar. Ce qui fait que le Qatar avait donné l'argent pour financer, par exemple, la compagnie d'aviation rwandaise, et Rwanda EA, par exemple, en construisant des bâtiments et des routes. Et c'était financé par le Qatar. Depuis que le Congo a dit stop, on ne peut plus vous permettre de venir piller notre richesse et tuer notre population. Kagame souffre le chaud et le froid parce qu'il ne sait plus payer ce qu'on lui avait avancé. Il ne sait pas honorer ses dettes. Je peux donner encore un exemple. Je disais les puissants de ce monde, vous connaissez les autorités françaises qui se sont succédées au Congo. Ceux qu'on a vus et d'autres qu'on n'a pas vus, mais qui étaient passés par les coulisses pour essayer de négocier en faveur de Kagame. Les autorités congolaises, ils ont dit non et ils ont raison. Donc, Kagame, il a la pression, donc, si je peux me résumer ainsi, de la communauté internationale, des puissants de ce monde,
pour rembourser les dettes qu'il a contractées. Et c'est pour ça que attaquer l'Est du Congo, essayer d'annexer Sirope, et moi je peux vous dire qu'il n'y arrivera pas, annexer cette partie pour piller, c'est la survie de ce régime. Mais il faut que j'arrête pas d'en appeler aux Rwandais, qu'ils soient à l'intérieur, à l'extérieur, et aux Congolais, de nous aider pour qu'on se débarrasse de ce régime, parce que je trouve que dans l'histoire de l'Afrique, c'est la première fois qu'on a un président criminel qui tue plus de 12 millions de population et la soi-disant communauté internationale. Regarde, je pense que c'est le moment de nous serrer les coudes et essayer de combattre l'ennemi des Africains. Mais je suis sûr que l'armée congolaise, qui n'a pas cessé de démontrer d'ailleurs ses capacités, son pouvoir de feu, va convaincre l'ennemi. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, monsieur le journaliste. Voilà. La situation qui préoccupe beaucoup de Congolais, c'est de savoir, parce que vous étiez en train de parler de l'économie rwandaise aujourd'hui qui est en péril, parce que aujourd'hui, Kagame est en péril. Kagame est aujourd'hui en train de chercher des voies et moyens pour relever l'économie qui passait par le minerai congolais en vue de renflouer les caisses de banques et ainsi que l'économie rwandaise aujourd'hui, avec cette difficulté de l'état de siège qui a aujourd'hui occasionné la perte, qui a occasionné aujourd'hui la baisse de l'économie rwandaise. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons comprendre que Kagame est contré face à Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République démocratique du Congo, à travers ses stratégies de mettre en marche un plan pour bloquer le moyen de divulguer les minéraux aux côtés de Rwanda? Ah, je peux vous dire que la diplomatie congolaise les Congolais ont montré les capacités diplomatiques parce que malgré les soutiens qu'avait Kagame, qui a tissé ses liens avec les puissants, comme je le disais, de ce monde, en leur promettant de leur fournir ces matières premières. Et depuis que la diplomatie congolaise s'est mise en marche, Kagame a des problèmes. Je peux commencer par des problèmes financiers. Il y a des banques fermées. Les usines que le Qatar avait construites à Kigali, dans la vallée de Nyandungu, pour ceux qui connaissent Kigali, ces usines ont fermé. Donc, pour économiquement, les banques ont fermé. Et je peux vous dire que, moi je parle souvent avec les Rwandais qui sont sur place, je peux vous dire que déjà, les professeurs ou les instituteurs ou les fonctionnaires, certains font même 2-3 mois sans être payés. Ils sont obligés d'aller commander à manger à gauche à droite ou demander quelque chose pour juste avoir les boissons traditionnelles, parce que ceux qui peuvent s'offrir une bière comme Primus, comme ça se faisait à l'époque, il n'y en a plus. Donc, je peux vous dire que économiquement, le pays est à genoux. On ne peut pas, à Kigali, on ne peut pas le dire ouvertement ou à haute voix, parce que vous connaissez le pouvoir de Kigali. Ça espionne tout, partout, et ceux qui essaient de lever la voix, ils sont tués. Vous voyez les informations sur... ça circule partout, sur Internet et les réseaux sociaux. Ça, c'est la triste réalité. Et je peux vous dire une deuxième chose, c'est qu'au Rwanda, les gens meurent de faim. Faim parce qu'ils n'ont pas à manger. Ils ne savent pas s'acheter à manger. Le Congo fournissait quasiment tout, non seulement ses matières premières, les minerais, mais aussi la nourriture. Les gens venaient faire leur business au Congo. Ils achetaient à manger, ils importaient à manger au Rwanda. Et maintenant, ils sont en difficulté. Non seulement ils n'ont pas d'argent, mais ils n'ont pas, ils n'ont rien pour s'acheter justement cette nourriture. Et il n'y a que justement cette clique qui est à la tête du pays, qui essaie de se maintenir au pouvoir. Et je peux vous dire que maintenant, tout peut arriver à tout moment, tout peut exploser. Parce que les gens, ils ne sont pas contents. Les gens, ils sont contre ce pouvoir. Et la façon dont ils sont malmenés, là, ça fait qu'il suffit d'une étincelle pour que ça explose. Pour que les hommes de Kagame, ils sont partout. Ils sont prêts à tirer sur n'importe qui. Mais
Les gens aussi au Rwanda, ils se disent de toutes les façons, on n'a plus rien à perdre. On a juste envie d'avoir quelqu'un qui nous dise, on vous soutient, et on part, on se débarrasse de ce pouvoir. On discute avec eux, on sait ce qui se trame, ils ne peuvent pas le dire à haute voix, mais l'économie du Rwanda est à genoux. Voilà. Sauf qu'on ne le dit pas ouvertement, mais l'économie est à genoux parce que la diplomatie congolaise donne, a déjà commencé à donner ses résultats. Voilà, aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi a dit que le Congo ou les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais, mais le Congo a le problème avec les régimes Kagame, qui est le régime sanguinaire. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que, à travers cette diplomatie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le président rwandais, Paul Kagame, est mis dos au mur? Tout à fait, ça c'est le bon terme, il a 2000. Vous savez, il y a pas longtemps, chaque fois que Kagame, on parlait de lui, c'était un bien, même si on savait tout ce que c'est un criminel. Depuis que le président, son excellence Tshisekedi a dit que l'ennemi des Congolais, ce n'est pas les Rwandais, c'est le dirigeant, ce dirigeant criminel qui se vante d'avoir massacré des millions de personnes. Les Rwandais, ils ont dit, ah, pour une fois, on a un président qui parle au nom de l'Afrique et qui veut défendre la paix dans la région de Grand-Lac. Parce que vous savez, ça fait plus de 30 ans que la région de Grand-Lac saigne. Et pour une fois, on a un président qui parle ouvertement de ce criminel de Kigali. Moi, je ne l'appelle pas un président ou le collègue de... Il a dit ouvertement. Et Kagame n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a dit à haute voix ce que les autres ne disaient pas. Il a dit à haute voix ce que les autres pensaient, mais n'osaient pas dire. Donc, là, ça a donné le moral aux Rwandais, parce que pour une fois, ils se disent, cette fois-ci, il suffit que nous commentions un tout petit peu, et on risque d'avoir un coup de main pour au moins nous débarrasser de ce criminel. Kagame, il est dos au mur. Voilà, Kagame. Il y a aussi... Oui, Kagame, oui, est... Oui, oui. Kagame est dos au mur aujourd'hui avec la diplomatie du président Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, monsieur Gaston, vous qui êtes, je signale bien à tous nos téléspectateurs et à la population congolaise, vous êtes rwandais d'origine. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que le président Félix-Antoine Tshisekedi a tourné le dos aux Français, il a tourné le dos à la Grande-Bretagne, il a tourné le dos aux États-Unis qui était aujourd'hui de partenaire privilégié de la RDC, et il se regarde face, droit aux yeux, à la Chine et peut-être dans les jours à venir avec la Russie. Est-ce que cela est en train de mettre en péril les impérialistes qui sont toujours en possibilité de mettre par terre l'économie de l'Afrique, par terre, et ils sont l'ennemi aujourd'hui du développement de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Est-ce que aujourd'hui il y aura pas dans le futur proche des échauffements entre les impérialistes et la Chine et la Russie? Ah, c'est une très bonne question, monsieur le journaliste. Vous savez, le Congo se suffit. Je m'explique. Le Congo a tout ce qu'il faut pour nourrir sa population. Déjà, c'est le plus important. Ces impérialistes, comme vous le dites, qui n'ont cessé d'exploiter le Congo, ils n'avaient qu'à arrêter de soutenir les criminels. Ils ont été prévenus. Vous avez vu le discours que a tenu pendant longtemps son Excellence le Président. Vous avez vu la conférence de presse que le Président a eue quand Macron était à Kinshasa. Il a tout fait pour faire comprendre aux Occidentaux que le Congo était prêt à faire des business avec ces gens, mais toujours il a utilisé le terme gagnant-gagnant. Ils ne font pas qu'ils viennent en donneur de leçons et pour en fait piller le Congo. Et
c'est tout ce que la population demande. Donc, cette fois-ci, il a donné le temps aux Occidentaux pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Mais ils n'ont pas écouté. Vous avez vu l'accueil qu'il a eu quand il est arrivé à Pékin. Ça, ça met la pression aux Occidentaux. Donc, ils ont toujours le temps. Je pense que le président n'a pas fermé les portes. Les portes restent ouvertes, mais c'est à celui qui dira « Je soutiens la paix à la République démocratique du Congo » mais qui va gagner le cœur des Congolais. Vous savez, il n'y a pas que le président Tshisekedi qui demande, la population. Le président Félix Tshisekedi ne fait que répondre ou bien porter la voix des Congolais. Il répond aux demandes des Congolais et il porte leur voix. Et c'est ce qu'il fait quand il est ici en Europe. Il n'arrête pas de dire « Je ne veux pas qu'on continue de massacrer mon peuple. On a assez souffert. » Ça, tout un président responsable nous le dit. Donc, si tu es un homme d'État, un chef digne de son nom, tu ne peux que demander que la population ait la paix. Et c'est ce qu'il demande. Donc, les Chinois ils répondent positivement. Ils l'ont accueilli avec respect. Et qu'on a montré en fait au président Tshisekedi, ce n'est pas qu'à lui en tant qu'homme, mais c'est à la population congolaise que les Chinois ont montré leur bon cœur, leur accueil et surtout le soutien qui risque de venir, pas que, comme vous venez de le dire, pas que de la Chine, mais aussi de la Russie. Ça, c'est cette diplomatie justement que Félix Tshisekedi a mis devant et qui rapporte ses fruits. C'est aux Occidentaux maintenant de dire on arrête de soutenir ce criminel et nous revenons sur le droit chemin pour construire voilà, la paix que les Congolais veulent. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous interpelle aujourd'hui la force régionale de l'EAC? Aujourd'hui, nous voyons la coalition RDF-M23. Nous voyons de l'autre côté l'EAC qui était venu comme étant une force qui avait le droit de repousser et de boutre dehors, de mettre dehors les rebelles de M23. Aujourd'hui, nous voyons que la force de l'EAC est en train de s'embrasser avec les rebelles de M23 aussi longtemps que leur temps aussi est prorogé. Donc, face à cette situation, quelle est votre réflexion face à cette situation de la force régionale de l'EAC, la prorogation de 3 mois jusqu'au 8 et septembre? Et les atrocités et les agressions continuent toujours dans la partie est de la RDC. Face à cette situation, quel est votre avis? Mon avis est très simple. J'ai d'abord des observations à faire là-dessus. La première, c'est qu'il y a une semaine, le premier ministre rwandais qui se trouvait à Bujumbura a défendu le M23. Plus que même les éléments du M23, plus que le porte-parole du M23. Ça veut dire qu'en fait, le M23, pour moi, comme je l'ai dit depuis longtemps, ça n'existe pas, c'est l'armée rwandaise. Une fois qu'elle traverse la frontière, elle se nomme M23, mais c'est l'armée rwandaise. Donc, le premier ministre rwandais l'a bien démontré en défendant ces criminels qui font partie d'ailleurs de son armée. Ça, c'est la première observation que je trouve. La deuxième, c'est que l'EAC ne vaut rien. Vous vous souvenez, quand cette armée est arrivée au Congo, le général qui était à la tête de cette armée, le Kenyan Nyanga, il avait dit qu'il était prêt à mourir pour que la paix revienne dans ce pays. Je n'avais jamais vu, je l'avais dit, je n'avais jamais vu un général qui tout d'un coup tremble de peur, dit qu'il est espionné, que sa vie est en danger, que donc il ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions. Un général qui parle comme ça, c'est un peureux, il ne sait rien faire. La troisième chose que je peux dire là-dessus, c'est qu'une armée, on avait les accolades que Nyanga faisait avec les éléments du M23. C'est cette complicité justement qui avait caractérisé il y a presque 30 ans l'armée qu'on appelait GOM au Rwanda quand elle était en connivence avec l'armée de Kagame. Et c'est justement cette armée de Kagame qui était derrière en fait le M23. Vous savez que dans l'armée de l'EAC qui est venue tout au début,
il y avait les éléments de Kigali. On avait dénoncé. Donc, cette armée de l'EAC ne valait rien. C'était un autre nom qu'on donnait en fait à cette armée de Kagame et une partie qui venait du Congo. Et c'était normal que le résultat soit négatif. Maintenant, vous me dites que le mandat a été prolongé. Moi, je pense que les Congolais, les autorités congolaises, prennent le temps vraiment de donner, de chercher à satisfaire ceux qui doutent de leur bonne volonté. Les autorités congolaises ont la bonne volonté, la ferme volonté de chercher la paix, sans bousculer les choses. Ce n'est pas parce qu'on a... J'ai vu certains politiciens à Kigali et qui commençaient à sautiller tel un cabri sur une chaise parce qu'ils avaient compris, ils avaient entendu qu'on avait prolongé le mandat de l'EAC. Mais ce n'est pas aux autorités de Kigali de faire la fête. Et ils l'ont fait ouvertement. Mais il ne faut pas oublier que derrière ce prolongement, donc ce renouvellement de ce mandat, il y a l'armée congolaise qui doit continuer à surveiller tout mouvement de ces éléments de l'EAC. Parce que, comme ils sont en connivence avec le M23, on ne peut pas faire confiance à ces gens. D'ailleurs, ils sont trop proches de l'ennemi, plus que de la population qu'ils étaient supposés venir défendre. Donc, il faut donner du crédit encore à cette armée en attendant que les forces de la SADC débarquent. Parce que là, je pense que les choses vont prendre une autre tournure, parce que ce n'est pas la première fois que les forces de la SADC montrent la bonne volonté de défendre la population. Donc, nous, on ne peut pas condamner ce renouvellement parce que les forces de la SADC ne sont pas encore là. Mais il faut rester vigilant et surveiller tout mouvement de l'EAC. Et surtout que de l'ERICA partent justement les éléments du M23 qui commettent des crimes. Voilà, faut être vigilant. Et surtout que dans les jours à venir, nous allons connaître déjà d'ici le 15 juin, d'ici la fourchette du 15 au 20 juin, nous allons vivre l'atterrissage ou l'arrivée de la force de la SADC. Alors, monsieur Gaston, est-ce que ça ne sera pas de moment des tensions vives dans la partie est de la RDC de voir cette coalition 1-RDF-M23 de voir de l'autre côté la force régionale de l'EAC et de l'autre côté encore la SADC? Est-ce que ça ne sera pas de moment de tensions vives de la partie de l'est de la RDC où nous allons vivre un mouvement très 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 et nous allons voir cette partie mouvementée dans les jours qui viennent? Je dirais que il peut encore y avoir des pressions ou bien des menaces, mais je pense que les forces de l'EAC ne font pas le poids face à la SADC. On connaît la puissance de fait de la SADC, ils l'ont prouvé en 2013, et avec le soutien de la population, je pense que l'EAC ne fait pas le poids. D'ailleurs, si le M23, le RDF de Kagame, n'a pas pu arriver aux objectifs qu'elle s'était fixée dès le départ, donc qui était celle d'occuper toute la région de l'est du Congo, c'est parce qu'il y avait la population et surtout mes frères et les résistants. Ces résistants, ils ont montré que ces forces de l'EAC ne pouvaient pas arriver à leurs objectifs. D'ailleurs, ça fait partie de ce qui. De déception de Nyanga, parce qu'il savait très bien qu'il n'avait aucun soutien. Vous savez, quand une armée étrangère débarque dans un pays comme ça, sans le soutien de la population, en menaçant, en violant, en tuant la population, cette armée ne peut pas gagner. Et je l'ai dit peut-être à plusieurs reprises sur d'autres chaînes, mais on sait très bien comment les Américains, ils étaient bien équipés au Vietnam, mais ils ont fini par perdre. En Afghanistan, ils ont fini par perdre. En Irak, ils ont fini par perdre. Ce n'est pas la petite armée de Kagame qui va gagner au Congo, surtout avec la détermination de la population congolaise. Donc, je peux dire que, pour répondre à la question,
qu'il n'y aura pas de tension parce que les forces de l'IAC ne font pas le poids face à la population congolaise et face aux forces armées de la SADC. Voilà. Aujourd'hui, nous avons vu, après quelques jours, des moments où la RDC a annoncé la force de la SADC, nous avons vu comment est-ce que la force de l'EAC a croisé le main. Et de l'autre côté, il y a eu la coalition, cette coalition que le porte-parole de la force armée de la République démocratique du Congo, FARDC, a monté au créneau pour dire qu'il y a une coalition RDF et M23 qui s'est fait coaliser pour attaquer Goma, pour qu'il fasse tomber Goma. Alors aujourd'hui, monsieur Gaston, nous avons vu la restructuration de l'armée rwandaise. Nous avons vu un nouveau chef d'état-major au sein de l'armée rwandaise. Nous avons vu d'autres caciques au sein de l'armée rwandaise. Ce n'est pas une préparation d'une marmite qu'on va essayer de cuire ou d'une marmite, on va essayer de préparer une attaque contre la partie est de la RDC. Oui, vous avez raison. Comme je l'ai dit dès le départ, c'est une mission suicidaire qui est en train de se préparer au Rwanda, à Kigali. Et ce général Moubarak, c'est l'année passée où il y a 2 ans, si je me souviens, il avait dit qu'il préférait faire la guerre à loin Congo, dans un grand pays, et pas au Rwanda, parce qu'il prétextait que le Rwanda était un petit pays. Donc, il préférait faire la guerre à l'extérieur, donc au Congo. Il l'a bien dit. Il a dit à Kinyarwanda, mais moi je suis rwandais, je comprends le Kinyarwanda. Donc, si j'essaie de vous interpréter ce qu'il avait dit, ce n'est pas nouveau, et ce ne serait pas la première fois qu'il mettrait les pieds au Congo, juste pour faire commettre encore des crimes. Il n'est pas. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau. Il avait menacé, il est maintenant au poste le plus important. Et je pense qu'il a été nommé parce que justement, il avait proféré ses menaces contre le pays voisin qui est la République démocratique du Congo. La deuxième chose que je vois là-dedans, c'est que cette restructuration, ce n'est pas nouveau dans l'armée. Rwandaise, dans l'armée de Kagame, je ne rappelle pas l'armée rwandaise, désolé, parce que quand l'armée de Kagame a attaqué le Rwanda en 90 ou en 90, si vous voulez, Museveni avait fait la même chose. Il avait fait la restructuration dans son armée. Et ceux qui avaient été renvoyés de son armée, Kagame essayait de faire exactement la même chose. Il a renvoyé ses hommes les hauts gradés. Et je pense que l'idée, c'est d'essayer d'attaquer le Congo. Mais nous le dénoncerons toujours. Et s'il le faut, on fera des manifestations partout où on est. Parce que ça, ce génocide qui continue, on ne peut pas se taire. Parce que se taire, ne rien faire, c'est être complice de ces crimes que Kagame est en train de commettre depuis 30 ans. Et qu'il continue d'ailleurs aujourd'hui. Et qu'il menace de reprendre déjà, aller attaquer le territoire du Congo. Donc, ce que je peux ajouter encore, c'est que ces éléments qui ont échappé à la mort, parce que quand ils étaient sur le champ de bataille au Congo il n'y a pas longtemps, ils ont été renvoyés au Rwanda. Certains sont restés au Congo, qui sont encore, on les appelle M23, mais je les appelle toujours l'armée rwandaise. Il y a d'autres qui sont à la frontière depuis 2 mois, qui sont à la frontière rwandaise. La journée, il sera en civil, en train de se balader à gauche à droite. C'est eux qui violent, c'est eux qui dévalisent maintenant les banques au Rwanda. Les banques sont dévalisées, sont attaquées au Rwanda quasiment tous les jours, parce que comme ils ne sont pas payés, ils sont obligés d'aller s'attaquer à la population et à des banques. Si tu possèdes, par exemple, je sais pas, une camionnette, eh bien, il suffit, ils t'arrêtent, soit tu te donnes la camionnette, soit on te tue. Donc c'est ça que cette armée de Kagame est en train de faire, parce qu'à cause des problèmes économiques comme on l'a vu plus tôt, ben, ils ne sont pas payés. Donc ils se payent vide, à racketter la population. Et c'est cette armée que Kagame a conservée. Quasiment 90% de son armée est concentrée maintenant à l'est du Rwanda, dans la préfecture de Gisenyi, Ruhengeri, et le long des volcans.
pour justement voir si c'est possible d'attaquer le Congo. Moi, je demanderai aux Congolais de bien s'armer de patience, attendre, mais ne pas baisser les bras, parce que il faut gagner cette guerre, les Congolais vont gagner cette guerre, et les Rwandais feront tout pour les soutenir, parce que nous, on n'a rien à voir avec ces criminels qui endeuillent l'Afrique depuis 30 ans. Voilà, monsieur Gaston, aujourd'hui, nous avons compris que même nous parlons maintenant de l'infiltration, parce que nous allons parler de l'infiltration à deux volets. Le premier volet, c'est l'infiltration au sein de l'armée congolaise. Vous avez évoqué quand même des velléités aujourd'hui dans l'FARDC, certains officiers de la force armée de la République démocratique du Congo ayant été dans l'armée rwandaise. Vous avez essayé d'énumérer quand même le nom de quelques officiers, et nous citons le colonel Bahati Nour Ahmad, commandant de la 1301 Régor de Mugwalu Ituri, ancien de l'APR de 1992, incorporé en RCD en 1998 et au FARDC en 2004. Ainsi de suite, il y a une liste longue de ces officiers qui mener le double jeu, et nous avons signalé aussi que c'est très important de signaler que même ceux qui n'ont pas encore rejoint le M23 peuvent le faire à tout moment, car ils peuvent être encore en mission dont ils sont à surveiller. Par rapport à tout ceci, quelle serait votre réflexion? Ma réflexion est que ce combat de la survie du peuple de la région, du peuple de la région de Garak concerne toute personne qui de bonne volonté et qui surtout qui a soif de la paix dans cette région. Ces gens, ce sont, moi je les appelle des voyous. Pourquoi je les appelle des voyous? Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a été engagé dans l'armée d'un pays, donc surtout dans l'armée rwandaise, ose aller dans l'armée congolaise et commence à massacrer des Congolais. Il n'y a que des criminels qui font ça. Ici, cette liste, je l'ai reçue de quelqu'un qui fait partie de l'armée rwandaise. Évidemment, vous comprenez, je ne peux pas révéler son nom. Mais j'ai reçu cette liste et je me suis dit, c'est une information à partager avec nos frères congolais, parce que ce combat nous concerne tous. Cette liste, vous voyez quelqu'un qui était dans l'armée rwandaise, qui était un caporal, et il arrive dans l'armée congolaise, il devient un colonel ou commandant, ce n'est pas normal. Donc, il faut, moi, en vous donnant cette liste, il faudrait que, on a même mis les grades qu'ils avaient, les matricules pour certains pour qui on a pu avoir les matricules, on les a donnés. Ça peut être facilement vérifié et ces gens qui sont dans l'armée congolaise, ils doivent s'expliquer. Ils ont des grades qu'ils ne méritent pas. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a fait sa formation dans l'armée congolaise s'asseye avec un caporal de l'armée de Kagame. Cette personne ne reçoit jamais les ordres de ses supérieurs au Congo, mais il reçoit les ordres de ses supérieurs au Rwanda. C'est pour ça qu'on a des criminels, justement, qui menacent ou qui tuent la population congolaise et on met tout sur le dos de l'armée congolaise. Donc, ces gens, on doit réétudier le cas, leur donner des grades qu'il faut, et ceux qui ne sont pas d'accord doivent être renvoyés au Rwanda. D'ailleurs, ces gens qui étaient dans l'armée de Kagame, où il faut réétudier les dossiers, voir est-ce qu'ils sont vraiment des Congolais. Parce que, si je peux ajouter, monsieur le journaliste, une chose, c'est que c'est depuis que les autorités congolaises ont dit qu'on devait cantonner ces éléments du M23 pour réétudier les cas. Vous avez remarqué que beaucoup sont repartis au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Congolais. Ils se sont des Rwandais, c'est l'armée rwandaise. Mais sur cette liste, vous verrez qu'il y a beaucoup de noms, quasiment tous, ce sont des noms rwandais. Je ne dis pas que
On ne peut pas apporter un nom si on vient, par exemple, de l'Est du Congo, un nom pareil, Yabahati. C'est possible. C'est à cette frontière, on retrouve les deux noms. Mais si cette personne peut vraiment identifier d'où il vient, le village, ses parents, il est facile de dire, OK, il est congolais. Mais s'il n'arrive pas à s'identifier, son village natal, c'est cette personne n'est pas congolais. Il faut vraiment filtrer. Il faut maintenant faire du nettoyage. Ça ne peut pas être du nettoyage partout parce que ça fait partie justement, comme vous l'avez dit, des infiltrés qu'il faut que l'armée peut ne pas avancer. Même si maintenant il est difficile pour l'armée de Kagame de vaincre l'armée congolaise. C'est vraiment, je peux vous le dire, c'est vraiment très très difficile. Alors, aujourd'hui, nous allons citer au moins quelques noms pour que la population congolaise puisse comprendre qu'il y a l'infiltration au sein de l'armée congolaise. Nous avons cité le colonel Bahati Nour Ahmad. Nous allons citer le colonel Rugabisha Alexis. Nous allons citer le colonel Niamouchouéboua Aronik. Nous allons citer le nom de Maoro Tagezwa. Nous allons citer le nom de Chaka Muzi James, colonel Mukiza Karinga. Nous allons citer le nom de Tawimbi et Sebanyania. Donc, ce sont des colonels. La liste est longue. Et aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a l'infiltration et affectueusement que nous demandons au ministre Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre de la Défense, de tenir compte de ces informations. Déjà, monsieur Gaston, je signale que vous êtes en direct avec nous en duplex parce que vous êtes d'origine rwandaise et avec vous, nous partageons des sujets de l'information et surtout, nous mettons la population congolaise en alerte sur toute l'actualité et les informations que vous mettez à la place publique. Aujourd'hui, comme nous avons dit que nous allons parler de l'infiltration à deux volets, nous avons essayé de parler de l'infiltration dans le premier volet, c'est l'infiltration au niveau de l'armée congolaise. Aujourd'hui, peut-on nous parler de l'infiltration au sein de la politique, au sein de l'homme politique congolais dans la République démocratique du Congo? Oui, malheureusement, l'infiltration s'est faite à tous les niveaux, politique, militaire, parce que ce brassage en fait a fait entrer beaucoup d'éléments nuisibles, mais politique aussi. Vous avez vu par exemple le cas de Mwanga Chouchou. Il y a un autre monsieur, je cherche encore plus d'informations, mais qui s'appelle Benda. Benda, je cherche tout ce qu'il faut comme information, je vous les donnerai le plus vite possible. Donc, Mwanga Chouchou, je vous l'ai dit dès le départ qu'il était rwandais. Pourquoi je dis qu'il est rwandais? Ce n'est pas parce qu'on est né sur le sol congolais qu'on devient automatiquement comme congolais. Mais pour le cas de Mwanga Chouchou, il a sa famille au Rwanda. Ce monsieur prétexte, par exemple, c'est un cas que je prends comme ça, parce que c'est un cas qui est quasiment connu maintenant de tout le monde, mais il y a d'autres exemples que je suis en train de chercher des informations sur ces gens. Ce monsieur, il est arrivé au Congo comme réfugié dans les années 59-60. Il arrive comme réfugié et il se prend pour, maintenant il se prend pour un Congolais, et 100% Congolais. Oui, il peut avoir demandé la nationalité et l'obtenir, mais quand il demande la nationalité, dès qu'il y a des conditions à remplir, qu'il ne respecte pas ces conditions, qu'il t'y trahit ton pays adoptif, la première chose, c'est de retirer cette nationalité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en fouillant, j'ai vu des informations, mais j'ai contacté aussi mes amis qui sont au Rwanda. C'est que son monsieur, quand il était au Rwanda, il voyageait avec des papiers quand il arrivait à Kigali, pays qu'il visitait souvent plus que d'autres Congolais. C'est ça qui n'est pas normal aussi, parce qu'il avait ses business peut-être. Mais quand on arrive au Rwanda, au lieu de présenter les papiers congolais, tu présentes les papiers rwandais, on te laisse passer comme rwandais. Je ne vois pas pourquoi ce monsieur nie
sa nationalité rwandaise. Il dit qu'il n'a plus rien. Et quel papier qu'il utilisait, que c'était des faux papiers. Il nous prend pour des imbéciles peut-être. Mais il faut savoir que tu voyages au Rwanda, on sait comment les autorités rwandaises fonctionnent. On ne peut pas débarquer là-bas avec des faux papiers et on te laisse passer sans problème. La deuxième chose, c'est que je trouve que au niveau politique, ce monsieur n'a jamais été pour la défense de l'intégrité nationale du pays qu'il a adopté. Parce que si tu veux défendre le pays, comment tu peux conserver des armes chez toi, des armes de guerre, et surtout avoir des contacts téléphoniques réguliers avec ceux qui menacent ton pays? Donc, c'est la même chose pour ce monsieur Mbaranda, dont je vous ai parlé tout à l'heure et je suis en train de chercher plus d'informations sur ce monsieur. C'est parce que lui aussi, il a ses frères qui sont dans l'armée de Kagame. Et lui, il vit tantôt au Congo, tantôt au Rwanda. Et je sais qu'il a aussi un fils qui est dans l'armée congolaise. Donc, quand on combine tout ça, tu es d'origine rwandaise, tu as été adopté par le Congo, ton fils il est dans l'armée congolaise, ton frère il est dans l'armée rwandaise, et tu vois ton frère régulièrement. Donc, je pense que les frères ils ont le droit de se voir. Mais dans un cas pareil, ta famille qui est dans l'armée rwandaise, ton fils qui est dans l'armée congolaise, je pense, je ne dis pas qu'il faut le renvoyer son fils. Mais ce sont des cas à surveiller, parce que ce sont des cas qui peuvent être dangereux à tout moment. Voilà. Donc, des cas comme ça au niveau politique, et ce monsieur, c'est un businessman, et il fait de la politique en même temps. Donc, c'est le cas qui est très proche de Mwanga Chuchu. On ne peut pas alors citer le niveau corruption. Les gens qui prétendent venir à Kinshasa, par exemple, pour ouvrir des magasins de beauté, surtout qui partent de l'Europe. J'avais signalé une dame joyeuse, mais qui sont surnommée Joyce, qui avait ouvert des magasins au Congo, mais qui voulait attirer aussi, s'intéresser, donc fréquenter les militaires, surtout les hommes militaires. Donc tout ça, c'est suspect. Il y a aussi, par exemple, au niveau business, ces dames qui viennent ouvrir des magasins à Goma, prétendant qu'ils aiment bien le Congo, ils aiment le Congolais, alors que derrière tout ça, ce n'est autre chose que de l'espionnage et pour donner des informations de l'autre côté. Il y a aussi des cas qu'il faut surveiller, mais monsieur le journaliste, c'est que vous ne parlez pas beaucoup. Mais c'est ces chauffeurs des ONG. Vous verrez que ces chauffeurs des ONG, surtout ceux qui sont basés à l'est du Congo, sont d'origine rwandaise. Et surtout, ce sont 90% des hommes qui discutent entre en Kinyarwanda. Donc, je ne dis pas que discuter, parler au Kinyarwanda, l'est du Congo, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu es là, tu es d'origine rwandaise, tu discutes avec tes copains en Kinyarwanda, tu es chauffeur de ONG, tu rentres au Rwanda et tu retournes au Congo le lendemain pour faire ton métier de chauffeur. Ce sont des cas qui devraient s'arrêter pour moi, personnellement, parce que la plupart de ces gens, presque 100%, ce sont les militaires, les espions de Kagame. Donc, des cas comme ça existe, monsieur le journaliste. Voilà. Déjà, moi, je vais te citer parce qu'aujourd'hui, la politique de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, au sein de la politique de la République démocratique du Congo, ça chauffe aujourd'hui entre l'opposition, entre la majorité. Aujourd'hui, nous avons l'arrestation aujourd'hui du conseiller privé de monsieur Moïse Katumbi, qui est candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023. Il se nomme Salomon Escadela. Est-ce que vous êtes au courant de l'arrestation de monsieur Salomon Escadela? Oui, je suis au courant, mais je ne sais pas si vraiment des fois je me demande si les autorités, les politiciens comme Moïse Katumbi ne le font pas exprès parce qu'ils ont peut-être une autre idée derrière. Donc, quand on arrête en temps de guerre, quand on arrête un conseiller comme ça, la première chose que Moïse Katumbi devrait faire au lieu d'aller crier
aux menaces ou bien qu'on est à prétester qu'on essaie de l'assassiner ou le faire disparaître et défendre cette personne, c'est au moins laisser la justice faire son travail. Si son monsieur a été arrêté, c'est parce qu'il a des informations. Son monsieur, il est très connu au Rwanda par les Rwandais. Donc, on sait qu'il communiquait, d'après ce que j'ai entendu par mes contacts de Rwanda. C'est communiqué régulièrement les agents de Kagame. Je n'ai pas plus d'informations que ça, sauf qu'on m'a dit qu'il communiquait avec les agents. Pas une. Donc, voilà, je ne peux pas vous en. Moïse Katumbi devrait cesser de crier à la trahison ou aux menaces. Parce qu'il est politicien, mais essayer de laisser la justice faire son travail, parce que la justice congolaise a montré qu'elle était indépendante. Voilà, aujourd'hui, nous parlons des acolytes de M. Paul Kagame. Il y a des acolytes de M. Paul Kagame qui se retrouvent au sein de la politique en République démocratique du Congo. Est-ce qu'au sein de l'opposition de la République démocratique du Congo, y a-t-il pas des acolytes de M. Paul Kagame qui mijotent quelque chose pour au moins arriver à la tête du pays et déstabiliser les institutions en faveur de M. Kagame? Ah, vous savez, à cette question, je pense que Kagame y a répondu. C'était à Kinyarwanda, un discours qu'il avait tenu à Kinyarwanda il y a plus ou moins 4 ans. On lui avait demandé son avis sur la politique congolaise, non, il y a plus ou moins 5 ans. C'est avant l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Et le Congo et le Rwanda n'étaient pas en beau terme, mais ça n'allait pas très loin. Parce que vous savez, Kabila ne levait pas trop la voix. Vous savez, c'est quelqu'un qui a été le garde du corps de Kagame. Donc, je pense qu'il s'est toujours senti soumis aux ordres de son chef, Moraloma. Et d'ailleurs, il l'a mis en pratique, c'est pas que Moraloma. Et Kagame, il avait répondu à cette question. On lui avait demandé s'il y avait des hommes, au moins des politiciens congolais, qui aimaient vraiment le Rwanda, parce qu'il prétextait que les Congolais n'aimaient pas les Rwandais. Et Kagame, il a dit... Non, ça, c'est pas un gros problème, on va régler ça. Parce que c'est nous, il a dit, je cite, il avait dit, c'est nous qui les avons formés. Et on lui a posé la question pour qu'il répète, on a dit, vraiment, vous pouvez confirmer que ça, tout va bien se passer. Il a dit, je sais, je suis en contact avec ces politiciens, c'est nous qui les avons formés. Il a dit, mais who knows, maybe tomorrow. Donc il a dit, qui sait, peut-être demain. Donc, et je pense que au Congo, ça ne serait pas étonnant parce que, vous savez, avec le brassage de l'armée, il n'y a pas que le brassage au niveau armé, il y a eu aussi au niveau politicien. Donc, vous venez de citer ce conseiller de Moïse Katumbi, on a cité Mwanga Tchoutchou et compagnie. Moi, je me méfierais honnêtement de tous ces gens qui sont venus de ces groupes qui attaquaient le Congo. RCD, vous connaissez, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Donc, ces gens qui sont venus de RCD, M23 et compagnie CNDP. Cité d'Élise Essanga. Pardon? Cité d'Élise Essanga. Oui, tout à fait. Donc, tous ces gens, vous connaissez le monsieur Bizima Karaha? En fait, il ne s'appelle pas Bizima Karaha. Il s'appelle Bizimana Karahamuheto. Ce sont des noms vraiment purement rwandais. Je ne connais pas un congolais qui s'appelle Karahamuheto, Bizimana. Donc, ces gens, ce sont des hommes de Kagame. Il n'y a rien à faire. Donc, on peut dire qu'ils ont grandi au Congo. Oui, d'accord. Mais ils ne portent pas le Congo dans leur cœur. C'est ça qui est triste. Le Congo leur a donné tout, mais ils ne portent pas le Congo dans leur cœur. Donc, ça m'étonnerait que les gens comme Bizima Karaha aiment le Congo ou bien respectent la loi congolaise plus que la loi rwandaise. Et ça, c'est triste, mais c'est la triste réalité. Je dis que ces gens, s'ils ont eu la nationalité, peut-être ils l'ont obtenu d'une façon normale, réglementaire, mais ce sont des cas à surveiller parce que ces gens, ils doivent montrer
leur bonne volonté d'attachement au pays qui les a adoptés. Et la liste peut être très longue, monsieur le journaliste, politiquement, il y a beaucoup à dire. Voilà, il y a beaucoup à dire politiquement. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire par quel angle que vous voyez les élections en République démocratique du Congo du 20 décembre 2023? Aussi longtemps, il y a la communauté internationale qui demande déjà d'envoyer les observateurs pour essayer un peu d'observer ces élections. Dans quel angle que vous voyez, que vous regardez les élections en République démocratique du Congo du 20 décembre 2023? Alors, honnêtement, je pense que les élections, ils vont très bien se passer. Les politiciens congolais, ils sont politiquement, ils sont mûrs. Ce n'est pas comme un seul homme doit se présenter et l'opposant doit être désigné par l'homme qui se présente. C'est comme ça que ça se passe au Rwanda. C'est Kagame qui désigne son... Au Congo, tous les politiciens, les opposants parlent. Vous avez vu le monsieur, par exemple, le monsieur Fayulu, il sort, il parle, il fait des manifestations, il rentre chez lui sans problème, il n'a jamais été menacé. Donc, je pense qu'il y a une chose dont je peux vous dire que je suis quasiment sûr, c'est que vu que le président Tshisekedi a répondu à la demande de la population, il ne peut être que reconduit. C'est tout ce que je souhaite. Je ne fais pas partie de son parti politique, mais c'est tout ce que je souhaite parce qu'il a donné, il a un projet et moi je souhaiterais que les Congolais lui donnent la chance de remplir sa mission parce que sa mission, au bout de 4 ans, n'est pas encore remplie. Donc, pour répondre à la question, je pense que les élections vont se passer dans le calme. Vous avez vu qu'il y a des pays qui ont essayé de s'ingérer dans la préparation de ces élections, dont le Rwanda d'ailleurs, qui demandait à avoir accès aux fichiers d'électeurs. Vous devez faire attention, surtout pour vous les Congolais, à ce qu'on appelle l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est dirigée par la ministre des Affaires étrangères de Kagame. Cette organisation n'est pas au service des pays francophones, mais elle s'est mise au service de Kagame. Donc, si cette organisation essaie de s'ingérer dans ces élections, pour moi, il faut, dès le départ, dire non. Comme on l'a dit à ceux qui demandaient que Kagame ait accès aux fichiers des électeurs, donc il faut dire non à cette organisation. Parce que cette organisation, c'est maintenant devenue une branche armée, pas armée, mais politique de Kagame. Ça, c'est à exclure. Alors, il peut arriver que la communauté européenne demande à venir comme observateur. Elle peut venir, comme elle le fait ailleurs, mais il faut savoir qu'il y a les agents aussi de Kagame qui sont dedans, qui ont été corrompus. Et donc, ça, on peut dire oui, mais à condition qu'on laisse la population voter, pas s'ingérer dans la politique. Il sera que pour voir si les élections se sont bien passées. Et je ne doute pas une seconde que ça va très bien se passer. Ce qui peut arriver, c'est que, comme on l'a dit dès le départ, c'est que Kagame peut essayer de les perturber. Comment? En essayant de faire justement envoyer encore ces criminels à l'est du Congo pour déstabiliser l'est du Congo. En essayant de commettre encore des attentats à gauche, à droite. Mais ça, c'est à l'armée de veiller à ce que tout se passe bien. Donc, mais honnêtement, vu la maturité politique des politiciens congolais, vu la capacité que possède maintenant l'armée congolaise pour assurer la sécurité du pays, je ne doute pas une seconde que ça va très bien se passer et que au moins il y aurait encore des élections, que le président serait reconduit comme il faut et voilà. Deux petites questions avant de terminer. La première question serait:
Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo devrait compter sur l'appui de la communauté internationale ou soit mener ses affaires en grande envergure personnelle, utiliser ses soldats, utiliser ses stratégies pour essayer de ramener la paix dans la partie est de la RDC ou soit compter sur l'appui de la communauté internationale? Honnêtement, je peux vous dire que le Congo a tout ce qu'il faut. Je l'ai dit, le Congo se suffit, il n'a besoin de personne. Le Congo, d'ailleurs, ne peut pas compter sur la communauté internationale. La communauté internationale, pour moi, ça n'existe plus. La communauté internationale qui est composée de quelques pays qui ont d'ailleurs soutenu les criminels qui ont endeuillé l'est du Congo, ça pour moi ce n'est pas une communauté internationale. Le Congo peut compter sur ses pays amis, oui, les pays amis existent. J'en donne toujours l'exemple, ce n'est pas parce que je vis en Belgique, mais le roi des Belges a bien montré son amour envers la population congolaise. Par contre, vous avez vu le comportement de Macron quand il était à Kinshasa. Donc, le mépris, ne pas condamner les criminels qui ont violé, qui ont tué, qui ont pillé le reste du Congo, pour moi, dans cette communauté internationale, je ne peux qu'exclure des gens comme ça. Le Congo peut compter sur les pays comme par exemple la Chine. Vous avez vu l'accueil qu'on a réservé aux représentants de la population congolaise. Ça, c'est un signe fort. Donc, pour répondre à la question, le Congo ne peut pas compter que sur lui-même. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis qu'il a été attaqué et stoppé l'attaquant. Et maintenant, il est en train de le jeter dehors. Ce n'est pas encore fini. C'est une guerre qui n'est pas facile, qui sera longue parce qu'il fallait savoir que le Congo a été infiltré depuis quasiment 30 ans. Donc, ce n'est pas en 2 ou 3 ans qu'on ne peut pas nettoyer à l'intérieur, remettre la machine de l'armée en marche et puis bouter l'ennemi dehors. Ça prend du temps, mais avec la détermination des Congolais et son président à la tête, ça, il va y arriver sans problème. Donc, le Congo doit compter sur lui-même. Le Congo doit compter sur ses enfants et il doit compter sur ses amis, mais pas à ce qu'on appelle la communauté internationale. Parce que cette communauté a montré son penchant, sa partialité, et ce qui ne devrait pas être le cas pour ce qui devrait appeler communauté internationale. Voilà, la toute dernière question, c'est de savoir aujourd'hui, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui est le tout-puissant ou qui fait peur à l'autre? Oui, mais je pense que la réponse est claire. Hein. Depuis que le président Félix Tshisekedi Tshilombo a dit qu'il était bien déterminé à mener cette guerre et bouter l'ennemi dehors, Kagame s'est tu. C'est parce que là, il s'est affronté au plus puissant que lui. Et ça, je peux vous dire pourquoi. Parce que en fait, le Tshisekedi, il a la population derrière lui. Donc, un président qui a la population derrière lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Il est très puissant. Par contre, Kagame, qui est-ce qu'il a derrière lui? Il n'a personne. Il n'a ni les Rwandais, les Congolais, on n'en parle pas, ni les Rwandais, ni même la population autre que les Rwandais, les Congolais, de la région de Grand Lac. Vous savez que les Burundais, ils l'avaient menacé, parce que vous savez, il a amené des incursions au Burundi pendant au moins 10 ans et il a échoué. Et les Burundais, ils savent très bien que le premier ennemi, c'est Kagame. Les Rwandais, l'ennemi des Rwandais, c'est Kagame. Donc, l'ennemi des Congolais, je n'ai pas à vous le citer. En Ouganda, c'est pareil. En Tanzanie, vous savez, Kagame avait menacé de tuer le président Jakaya Kikwete de Tanzanie parce qu'il avait demandé à Kagame
de négocier avec les FDLR pour que les guerres s'arrêtent dans cette région. Kagame avait menacé de le tuer. Donc, pour vous dire que le plus puissant, c'est celui qui a la population derrière lui, c'est Félix, Antoine Félix Tshilombo. Le reste, c'est quelques hommes autour de Kagame qu'il ne faut que tuer partout. Au Rwanda, c'est quasiment tous les jours. Au Congo, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Donc, l'homme le plus puissant entre les deux, je peux vous dire sans hésiter, c'est Tshisekedi. Il est vraiment très puissant parce qu'il a la population, non seulement la population congolaise, mais rwandaise et burundaise et tanzanienne. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, monsieur le journaliste. Voilà, je signale à tous nos téléspectateurs que c'est monsieur Gaston, il est d'origine rwandaise. Il est en direct avec nous pour pouvoir parler de la situation sécuritaire, de la situation politique de la République démocratique du Congo et révéler des dessous des cartes tout ce que les Congolais peuvent écouter et tout ce que les Congolais peuvent savoir de ce que le président Paul Kagame est en train de mijoter derrière la République démocratique du Congo et ce que aujourd'hui les Congolais doivent savoir de leur part dans les intégralité de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous dis un grand merci, monsieur Gaston, de là où vous êtes. Je signale que vous êtes en direct avec nous depuis la Belgique et vous êtes de l'origine rwandaise. Oui, tout à fait. Et c'était un honneur d'être avec vous, monsieur le journaliste. Voilà, je vous signale que nous allons vous avoir encore dans nos prochains jours et dans nos prochains reportages pour que nous essayons de parler de la situation politico-sécuritaire de la République démocratique du Congo. Donc, je vous remercie. Sans problème, je vous remercie aussi. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous étions en direct avec monsieur Gaston qui était notre invité pour cette émission pour pouvoir vous faire part de la situation qui se passe à l'intérieur de nos frontières et en dehors de la République démocratique du Congo. Nous sommes Congo Live Télévision au cœur de l'information, au cœur de l'actualité, toujours dans le but de vous servir, dans le but de vous informer. C'est pourquoi nous recherchons l'information là où l'information se trouve. Et même si en dehors de nos frontières, même dans le camp de Kigali, nous allons toujours avoir des informations pour le profit de la République démocratique du Congo. We'll be right back.